Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 21, toujours donc sur cette thématique de paramétrage, sur la création des variables. Alors, on a vu la création des constantes. Maintenant, effectivement, la deuxième étape, et c'est ce qui va concerner 90% de votre paramétrage, c'est de créer des variables, puisqu'il y a vraiment une philosophie, hein, de paramétrage dans EBP. La chose que vous avez créée, donc je vais me répéter, c'est constante ou variable. Et effectivement, hein, vous allez surtout créer des variables, soit pour saisir des primes, soit pour saisir par exemple des heures, ce genre de choses. Donc on a vu ici un premier tutoriel pour créer des constantes, et maintenant vous voyez que déjà, vous voyez